Et salut à tous, mesdames et messieurs, c'est NXT89, on se retrouve pour FIFA 16. Chose première, chose due. Ah, on a enfin FIFA 16, on va pouvoir jouer, c'est le 25 décembre. Bon, il fait moche chez moi, mais c'est pas grave. Enfin bref, on s'en fiche, on perd pas de temps. Parce que si je perds du temps, tout le monde va se barrer. Non, déconne, allez, sérieusement, sérieux. C'est parti pour FIFA 16, je l'ai, je suis super content. Ce jeu, bon, pas besoin de vous présenter. Hein. Ouais, je vous présente, si vous le voulez. Vous mettez un commentaire, vous me dites si vous voulez que je vous montre les nouveautés, ça me dérange pas du tout de les faire, ça me dérange pas. Je voulais que je vous montre le monde carrière, ça me dérange pas aussi. Mais là aujourd'hui, je vais faire un épisode, une partie spéciale sur l'Ultimate Team. Je vais essayer de bon faire un match. Je sais pas si je vais le faire, je sais pas du tout. Mais je vais le découvrir parce que je joue pas souvent Ultimate Team. J'y joue pas souvent, enfin, pas souvent, pas du tout même. Voilà, je suis pas non plus un connaisseur d'Ultimate Team. Donc je découvre, pour ceux qui veulent me donner des conseils par commentaire, sans me vanner bien sûr, pas de soucis, ça me dérange pas. Enfin bref, on y va, on perd du temps. Elle va télécharger, ok, si tu veux, télécharge, vas-y. Ça me dérange pas, tu télécharges des mises à jour du moment que tu me mets à jour. Ça me va. Donc voilà, donc personnellement, je suis super content d'avoir FIFA 16. Ça, je pourrais le montrer en vidéo. En mode solo, ok. Chargement. Bon, je suppose qu'il y aura une cinématique, non? Moi, ça fait bizarre de me voir jouer à FIFA 16 en vidéo, c'est pas trop mon truc, hein. Je préfère les jeux d'action. Enfin, j'aime FIFA 16, hein, mais le faire en vidéo, c'est pas mon truc parce que je fais. On y va. Bienvenue dans FIFA Ultimate Team. Dans ce mode, vous allez prendre les rênes de votre propre club. Désignez d'abord un capitaine, apprenez comment bâtir un bon collectif et disputez un match spécial unique. Ouh, que le choix est dur. Mon Dieu, à là-bas, non, par rapport à Messi. Oh non, Messi, il est trop nul. Hein. Pff, Messi, il est pourri, j'aime pas. Ah, je fais Griezmann quand même. Allez, on va prendre Griezmann. Mais vous rigolez quoi? Je prends Messi. Excusez-moi. Dans FIFA Ultimate Team, vous créerez des équipes en vous focalisant sur le collectif. Une formation où les joueurs s'entendent bien et plus performante sur le terrain. Trois principaux composants forment le collectif. Le poste, les liens et votre entraîneur. Les changements apportés à votre collectif sont représentés par la note mentionnée ici à droite. Plus votre collectif est élevé, plus vos joueurs seront performants sur la pelouse. Découvrons ensemble l'un des éléments clés du collectif, la titularisation des joueurs au bon poste. Le degré de satisfaction d'un joueur avec sa place actuelle dans l'équipe est matérialisé par l'indicateur de poste coloré. Vous remarquerez en observant l'indicateur de poste que votre milieu droit n'est pas à son poste de prédilection. Sélectionnez-le et placez-le au bon poste pour renforcer votre collectif. D'accord, au début j'ai eu peur, je vois, attends. Iniesta à droite, Messi, mais central, j'ai pas compris. D'accord, en fait, ils ont fait semblant. Très bien. L'indicateur de poste sous les joueurs est devenu vert et votre collectif s'est renforcé. Je sais. Intéressons-nous maintenant au renfort des liens entre joueurs. Ces liens s'établissent en faisant correspondre le club, la nationalité et le championnat. Plus ces éléments correspondent, plus les liens seront forts. Vous remarquerez un lien rouge entre vos défenseurs. Sélectionnez et permutez vos défenseurs centraux pour créer un lien plus fort. Bien joué. En permutant les défenseurs centraux et en renforçant le lien, vous avez encore amélioré votre collectif. Remarquez qu'il a maintenant atteint la valeur 100. Avec un collectif égal à 100, vos joueurs sont plus efficaces que jamais dans leurs passes, leurs tirs, ou leur geste défensif. Place maintenant au match spécial avec cette équipe. Ok, bah faisons le match, alors on y va. Bon, par contre, je vais faire vite, hein. Je vais pas mettre de longues minutes. Je vais jouer en pro. Ah, 6 minutes, c'est obligé. Oh, bon, bah pas le choix. Est-ce que je vous le fais passer le truc? Parce que c'est vrai que un match comme ça, c'est pas trop intéressant pour vous, je pense. Je sais pas. Est-ce que je vous le fais passer?
Je réfléchis encore. Ouais, je pense que je vais le faire passer. Je pense que ce match-là, tout le monde l'a fait. Hein. C'est pas trop intéressant. Bah, je vous le fais passer et puis bah, à tout à l'heure, hein, tout simplement, à tout à l'heure. Voilà. Bon, je sais que vous vouliez que je le monte, je sais pas, mais je pense que je vais le passer parce que ça parle du temps. Allez, je vous fais passer. Pour accéder au menu principal, consultez les tâches d'entraîneur pour mieux découvrir Ultimate Team. Bon, là, de retour, hein, donc ce match, bah, j'ai fait match nul, quoi, voilà. Enfin, et après, j'ai perdu de tir au but. C'est super saoulant, ça me saoule énormément, mais bon, c'est pas grave, voilà, je garde les pieds sur terre, hein. Mais ils sont vraiment très forts, hein, ils sont vraiment très forts. Apparemment, je dois faire le marché dans les transferts, là, je sais pas quoi. Ah, bon, alors faisons le marché des transferts. Alors, bon, déjà, faut que je fasse l'équipe déjà. Attendez. Oh, apparemment j'ai lui sans ton là. Comment je vais faire pour avoir une belle équipe? Parce que là je suis vraiment qu'au début quoi. Donc je suis vraiment désolé. Bon d'abord faut créer l'équipe. Alors là je vais bien avoir un anglais en défenseur droit. Super. Bon ils sont nuls quoi. Non lui il est plus fort. Pourquoi jaune? Ah c'est un buteur ou là. Fou, pardon. Excusez-moi. Là, j'ai rien dit, hein, j'ai rien dit, vous n'avez rien vu, voilà. Voilà, vous n'avez rien vu, vous taisez, ne dites rien du tout, taisez-vous, voilà, merci. Et je vais mettre lui à droite. Voilà. Pourquoi ça fait ça en fait, je comprends pas. Il est anglais, pourquoi ça le gêne là? Enfin bref. Alors, bon. Comment je vais faire mien central? Mais pourquoi il se met là lui? Oula. Je vais prendre lui. Excusez-moi. Alors, bon, en plus, il faut bien que je mouche en plus. Moi, moucher. Oh là c'est bon. Allez, attends les 10 minutes, je fasse vite faire une petite modification. Voilà, c'est bon, parfait. Ah, c'est compliqué de faire l'équipe. Hein. C'est compliqué de faire l'équipe. Alors, gardien. Ouais. D'accord, je s'entends bien avec lui. Mais pourquoi il s'entend pas avec lui, je comprends pas. C'est-à-dire c'est des Anglais, mais ils s'entendent pas, quoi. Je comprends pas. Enfin, bref. Tiens, lui, je l'aime bien, lui. Il a l'air fort. Même malheureusement, tous ceux qui ne s'entendent pas, donc... Ah là là, c'est compliqué. La note 64. Tu peux pas changer de dispositif pour voir? Non, ça va pas. 72, 68, c'est pire même, c'est pire. Non, pas du tout. Pas du tout. 132, ça j'aime pas le 132, j'aime pas. 64, 60, évidemment, comme par hasard. C'est ma formation préférée, j'ai même le 4-3-3 moi. Mais il change là, il prend du temps, j'adore, il prend le temps lui. Non, 53 c'est pire même. 4-3-2-1, non, ça va pas du tout. Ah non, vous avez même pas mon 4-3-3. Vous êtes énervant, vous savez, messieurs. On va prendre l'autre, le 4-4-2, hein. Ah non, 74. Bon bah tant pis, restons sur le 4-2. Bon bref, non mais... Oh, mais non, t'as pas compris toi. Voilà. Bon bref. Bon, les deux, ça marche. Et pourquoi lui ça va pas alors que c'est un anglais, je comprends vraiment pas. Si on fait ça. Non. Et j'ai pas compris, hein. Enfin bref. Ah, y a un gars qui est fort aussi, attaquant gauche. Il me plaît bien lui. Bon alors, si t'aimes pas... Est-ce que lui il est rapide lui? Alors lui apparemment vitesse. Moi j'aime bien les gens qui soient rapides. Hein. 85, ah oui, il me plaît bien lui.
Et toi, tu crois comment? Oh non, t'es trop lent, toi. 33? Oh bah, dégage, hein. Y a pas de souci. Alors, milieu central. Excusez-moi, hein, je fais mon équipe, hein, excusez-moi hein, de vous gêner, hein, si ça vous plaît pas, bah, c'est pas ma faute. Hein. Si, ok, d'accord. 58. Ah, comment c'est compliqué de faire ça? Ouais, ça c'est bon. Moi, si on échange, ça fait quoi? Ah, c'est déjà mieux déjà. Bon. Déjà, c'est pas mal. Non, ça marche pas. Ah, lui, apparemment, il n'aime pas être ici, lui. Ah, il n'aime pas du tout être ici, lui. Alors là, lui, c'est pas son poste. Alors que pourtant, il est défenseur gauche, mais qu'est-ce qu'il... Enfin, il est défenseur gauche. Attaquant gauche, je comprends pas pourquoi il n'aime pas. Action, appliquer les consignes, retirer l'équipe en rapide. Non, c'est pas ça que je cherche, moi. On va pas genre changer le poste et tout, ça marche pas. Continuer action, etc. Ok, bon, bah, il n'y a rien d'intéressant. Alors, ça me saoule, franchement, de m'excuser, je me méfie encore. Hein. C'est bizarre. Philippe, c'est un milieu gauche, Edouard. Bon, bah, en fait, c'est là que ça me gêne. Là encore, ça passe. Qu'est-ce que j'y vais? Ah cool. Enfin bref, là encore ça a pas. Change-moi ça toi. Là encore ça, enfin là ça passe là, mais là ça me saoule. Lui c'est un milieu gauche, il est à gauche, il fait des siennes lui. Je vais pas mettre milieu droit moi. Apparemment faut mettre deux buteurs, mais moi j'aime bien les gens rapides quoi. Et moi si j'ai pas de gens rapides, bah, ça me saoule. Bon bah tant pis, faut me mettre l'autre là. J'attends, j'ai pas un autre buteur là. Ah 67 en plus il joue à Wolverhampton. Ça c'est des bonnes équipes. Bon ça c'est son bon passe, son échange. Ça marche toujours pas. Là. Comme défenseur. Un défenseur, il y a quoi là? En réserve. 65, 58. Ok, 65, 69. 59. Ah lui, il court un peu plus vite déjà. Son milieu ça fait quoi? D'accord, ça ne change rien. Pour revenir. Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus. Hein. Là, je vais mettre continuer. Ah, vous êtes perdu, c'est... Ok, d'accord. Continuez. Alors, c'est Footman News. Êtes-vous prêt? Créez votre équipe. Essayez de... Le mode draft défie d'autres joueurs dans des compétitions en ligne. Le tout fait dans ce fait tu m'étimes. Je ne sais pas si je vais faire ça en plus. C'est quoi Footman? Plus de la semaine, d'accord, ok. Bon bah alors Santa Rosa, ok d'accord, là le. Moi ce que j'ai. Compléter les tâches de manager. Ok, ça marche. Changer le nom du club, j'avoue, le club j'aime pas. Alors comment je vais l'appeler? Comment je vais l'appeler? Non NXT Team, voilà. Et voilà, NXT Team, au calme. Ça me plaît, NXT Team, ça me plaît, mesdames et messieurs. NXT Team, ça me plaît. Ou NXT Team, j'aime bien. Voilà, approbation NXT, j'aime bien. NXT, approbation NXT. Au calme, ça me plaît. Parce que, on le voyait, après le X, on peut mettre un I. Après le T, on peut mettre Team. Parfait, non? Ça vous va? Parfait? Magnifique. Je sais. Applaudissez-moi. Faites ce que vous voulez. Applaudissez-moi. J'entends pas mes supporters, j'entends pas, j'entends pas. Ah, c'est mieux qu'on m'applaudisse. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vous félicite. Voulez-vous vraiment adopter ce nom? De club, oui, je le Alors, non, après, ah, voilà, moi je vais acheter. Moi, par contre, je sais pas si vous voulez voir mes matchs, j'en ai aucune idée. C'est comme vous voulez, vous allez mettre ça en commentaire parce que je sais pas trop si vous voulez regarder mes matchs. Hein. J'en ai aucune idée, donc vous me direz hein, si vous voulez le faire. Mais c'était un jour, ça marche les transferts. Voilà, d'abord, on va faire ça. Parce que disputer le premier match et tout, je préfère vraiment vous découvrir d'abord l'Ultimate Team et que vous puissiez le faire avec moi. Ah, j'ai pas vu ça, recruter un joueur prêt, de prêt. Sélectionner un joueur à recruter sous forme de prêt, option. Recruter un joueur de prêt, c'est une opportunité unique. Bah, vas-y. Ah, cool. Oh oui, oh oui. C'est tout? 8 matchs.
Bah Godin c'est le meilleur hein, Godin hein. Par rapport aux autres là je connais. Ah autant Snager. Oh Snager c'est le meilleur. Snager c'est le meilleur. Alors là lui, même si on parle pas trop de lui, mais ceux qui connaissent hein, Snager c'est le best. Oui. Ah direct. Ah je m'en fous, vous l'aimez pas, je m'en fiche. Ah oui. Bravo pour le recrutement de Snager qui nous tenait d'avoir été envoyé vers le club. Ok d'accord. Bah tant pis, je m'en fiche. Ah, il aime pas être là, lui, c'est déjà qu'il me fait lui. Ah, il aime pas être ici. Ouh là là, bah, je vais te mettre tout, moi. Bah, t'as pas le choix, faut t'habituer. Hein. Écoute, là, t'as pas le choix. Hein. Bon, bref. Allez, merci. Alors, disputer premier match, non, j'ai pas envie de faire ça, je fais ça après. Lister un joueur sur le marché de prêt. Sur le marché des transferts, excusez-moi. Je suis en train acheter un élément sur le marché des transferts. Bah, vas-y, montre-moi ce que. Alors moi ce qu'il me faut c'est un. Ah oui c'est un buteur là, c'est un beau buteur parce que mes buteurs, pff, ça pue quoi, non mais ça pue sérieux, ça pue. Non mais sérieux, ils sont trop mauvais, c'est pas possible quoi. Niveau. Bon avant on va faire ça puis après je vais m'arrêter ici. Hein. Parce que. Poste, je veux un buteur parce que là pour l'instant je galère. Buteur s'il te plaît, buteur, merci. Buteur, merci. Style rapide. Bon, les finitions, mais il n'y a même pas de rapide. C'est vrai que de base, les buteurs sont un peu lents. Je sais même pas j'ai combien d'argent. 500! Waouh! D'accord. Bon, on va mettre sur 0 jusqu'à 500. M'en fous si j'utilise tout, j'en fiche. Ok, bon, championnat. Nom du joueur, je pourrais jamais avoir du Ronaldo, etc. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites là? Type de consommation niveau. J'en fiche de ça, mais qu'est-ce qu'il me fait? Tu peux me chercher le joueur, s'il te plaît? Voilà, on cherche, merci. D'accord. Ah, Waris. Ah, oh, il est fort, lui, le joueur de Montpellier, là. Il coûte combien? Ah, 500. Ah, oui, d'accord. Je connais pas Jérôme, je connais pas Origi. Oh, trop classe. Oh, je le prends direct. Ouh là là, Lopez. Ouais, d'accord. Non, non, il n'y a pas de joueur intéressant. Oh, Ben Yedder, oui. Ah ouais, je le prends. Origi, c'est pas trop bien tiré. Alors là, Ben Yedder, je le prends. Inks aussi, il est fort. Temps restant. Bah, je pense que je vais prendre. Ouais, j'ai pas le choix. Oh, Fracture 400. Sérieux? Oh là là. Attends. Je pense que. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien Ben Yedder. Franchement, il est fort, il est jeune. Je prends. Désolé, je sais que vous l'aimez pas, peut-être. Mais moi, j'aime bien Ben Yedder, il est fort. Faire off 450. Voilà. Ajoutez, j'utilise les transferts. Mais comment on fait pour faire l'offre? Oui, vas-y. On va faire une offre sur cet élément. Oui, je veux bien. Allez. Allez, réponds-moi vite, tu dépêches. Après je vais prendre Origi parce que Origi il est trop fort. Mais avec Ben Yedder voilà quoi. Ah d'accord. Non en plus il est trop cher Origi hein. Je sais vous aurez aimé que je prenne Origi mais il est trop cher ce mec hein. Alors hein, je viens de le faire. Ah non j'ai pas acheté oui. Lister un joueur sur le marché des transferts. J'ai moins qu'on entend la liste sécurité sur le marché des transferts. Les transferts en gros. Ok. Ouais bah je verrai ça plus tard. Bon, bah je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. J'avoue que c'était une courte vidéo, mais voilà, je voulais vraiment faire la présentation d'Ultimate Team. Donc, qu'on fait pour qu'il pose pas grave. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon, vous me direz si vous préférez que je vous montre les matchs, hein, c'est comme vous voulez. Moi je peux vous les montrer ou pas les vous les montrer, ça ne m'arrange pas de les passer. Donc voilà, bref. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. En tout cas, likez la vidéo. Encouragez-moi à continuer s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, thanks and comment.